Salut à tous, c'est Falcor sur GTA San Andreas et je vais faire la prochaine mission de Truth. Hop! Are you going to San Fierro? Déjà? Oulala. Peace. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look. Here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Damn, man, there must be two tons of that stuff back there. Three... Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man, narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. Man. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Voilà, nous avons donc les condés en approche. Il faut brûler les champs de cannabis. Et lui, évidemment, il sait pas se servir de son lance-flamme. Ah, je suis diffugé. Alors, faut essayer de pas mettre le feu à mon pote. Allez, allez. Attends. Ah, franchement, il sert à que dalle, ce mec. Allez, hop, hop. Assholes, right wing assholes. Oh, I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Quoi? Ah, quand même. Je sais pas pourquoi il s'arrête tout seul là des fois. Parce que oui, il y a quand il doit recharger, mais... des fois le réservoir est pas vide, mais il va quand même s'arrêter, je sais pas pourquoi. Attends, c'est pas logique. Ah, je pourrais courir avec ça. Je peux pas les sniper, ces cons là? Alors je crois qu'on est censé les déglinguer, ils donnent pas un lance-roquette ou je sais pas quoi. We got a chopper on our tail. We'll never shake them now. Hold on, I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker, where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. Gonna make it into a lamp. Quoi? Arrête de bouger! Voilà. Eh bah dis donc.
Ça va les mecs? Donc je vais dans le vaisseau mère. Zébardi. What you pull over for? You better drive. I haven't driven in 15 years. You was doing all right? Yeah. Then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Hey Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I wanted the races. Holla at y'all later. Merci Catalina. What's with all the aluminum for you, man? Protection from mind control, dude. Mind control? Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. Do you know how many government satellites are watching any citizen at any moment? No. 23. Do you know how many religious relics are kept at the Pentagon? No, I don't. 23. You see a pattern emerging here, man? Man, I'm seeing patterns all over the place. Get that smoke out my face. Ah ah ah, on arrive! Hey, you want to hit on this? A little temple chairs and a cocktail with some Nepalese munga munga. Put that thing out, man. I can't see. Mellow out, brother. It's good shit. Put it out, motherfucker. I'm warning you. Whoa, chill the fuck out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man. I just don't drive when I'm faded. Ça va, t'es pas fracassé. There she is, brother. San Fierro, city of psychedelic wonders. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man. Mais si, t'y allais pour prendre des photos. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. Jesus, we screwed. When'd you get this? 19. Hey, voilà. This is the place. Whoa, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Woohoo! Et comme j'avais fait les photos, je peux refaire le plein, le munition. Et ça, c'est bien. Grenade, ah bah oui, j'ai des cocktails Molotov. Non? Ah bah non. J'ai des explosifs télécommandés de la mission avec Catalina. Et bien voilà. Bon, il fait pas très beau, hein. C'est pas chouette. Je vais passer le temps. D'accord, il pleut toujours. Bon, en tout cas, voilà, on est à San Fierro. C'est la seconde grosse étape de l'histoire. Ah oui, alors c'est bien, je peux sauvegarder, ramasser des armes et recommencer en boucle. C'est magique. Donc l'une des premières choses que je vais faire ici... alors ouais, qu'est-ce que je vais faire en premier? Faudrait que j'aille apprendre les mouvements là, à la salle de sport. Ah, je voulais changer de fringue. On va faire ça maintenant. Parce que voilà. Là, j'ai l'occasion d'avoir des fringues qui donnent plus de respect de sexe à pile. Donc il faut le faire. Ah oui, c'est Zip, sauf qu'il est pas là. Il est plus loin. Normalement, c'est celui qui est à côté du burger shop. Donc je fais ça, puis comme ça, vous allez voir quels sont les choix les plus intéressants pour le respect de sexapil. Et je m'en souviens très bien, puisque de toute façon, c'était les fringues que j'aimais bien mettre quand j'arrivais ici. Où est la putain de cabine? Elle est là. Alors, je vais quand même sortir mon guide pour vous donner les chiffres exacts. J'avais... En plus, je suis à la bonne page, incroyable. Donc, Zip. Alors, pour le torse, c'est la veste en jean. Je m'en souviens. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, la veste en jean qui donne 10 en respect et 20 en sex appeal, donc c'est pas mal. Sachant que ici, là, le deuxième truc qui donne le plus de sex appeal et de respect, et bien, c'est ça.
et ça donne 7% respect et 13% sexe à pile. Donc il y a une grosse différence entre les deux. Alors je sais pas si ça va se voir. Ah, ça m'a viré ma tenue de... ma tenue de paysan. Ah, donc déjà, rien qu'avec ça, on fait un énorme bond en avant, parce que rappelez-vous, avant, j'avais un truc qui donnait 15. Bon, c'est pas énorme non plus, hein. Pour les jambes, alors, là, c'est treillis... Non, attends. Oui, c'est ça. C'est treillis beige ou treillis olive, les mieux. Donc moi, je préfère le beige, parce que l'olive, je trouve que ça rend pas bien avec la veste en jean. Alors, j'ai fait bouffer mon personnage à mort pour les deux copines que je vais devoir séduire. Chaussures. Alors, pour les chaussures, si vous prenez les boots grises ou les boots rouges, c'est pareil. Donc, vaut mieux les grises. Ah, voilà, ça va mieux avec. Hein. Les rouges, ça fait vraiment con. Donc, ça donne 5% dans les deux catégories. Pour les chaînes, alors, il faut la or. Qui donne 2% respect, 2% sexe à pile. C'est pas énorme, mais bon. C'est... Voilà. C'est exactement comme ce que j'avais avant, mais bon, voilà. Vu qu'on est en train de tout changer. Autant faire ça à fond. Alors, la montre. Alors, vous voyez, la bleue, elle donne 2 en respect, 2 en sexe à pile. Et la zip en or, accrochez-vous bien, c'est 2 en respect et 22 en sexe à pile. Donc, c'est bien. Et alors les lunettes, bah c'est pareil, ça va rien changer pour moi, mais bon, histoire de d'avoir tout qui change, je vais quand même mettre les lunettes noires. Et pour le chapeau, bah alors, là c'est le grand drame, le chapeau en fait c'est moins bien. Parce que on avait mis le bandana vers arrière. Ça donnait 3% en respect et 2% en sexe à pile. Et là, le mieux qu'on a ici, c'est ces deux-là, qui donnent 2 tchak. Donc, histoire de pas avoir l'air trop d'un con, je vais prendre le bob écossais pour... Oh putain, il est vachement plus flashy que... C'est histoire d'avoir un ensemble logique, parce que juste le bandana vert, ça fait bizarre. Donc, il est beaucoup plus flashy que dans le... Ça donne quoi en noir ? Ouais, je sais pas. Non, je préfère l'autre, en fait. Donc bon, c'est histoire d'avoir... d'être full zip, on va dire ça comme ça. Voilà, là on a le style. Pas du tout. On dirait vraiment qu'il a des grosses jambes, mais ça c'est parce que je l'ai fait bouffer comme un sac. Donc voilà, bah, prochaine étape pour les vêtements, ce sera avec... les boutiques victimes, la boutique victime à Los Venturas. Bon ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à les sauvegarder. Alors on peut voir du coup, ouais, le respect a un petit peu monté, le sexe à pile, bah, c'est difficile à dire parce que je suis dans une voiture. Donc voilà, et bien écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Falcor, des bisous.